m'oblige pas à y aller. Tu peux continuer à me donner des cours. Je t'ai enseigné tout ce que je sais. Le sujet est clos, d'accord? On en a discuté ad nauseam. C'est quoi ad nauseam? Oh, tu sais pas? J'en connais une qui doit aller à l'école. Bonjour, mademoiselle Stevenson. Qui peut me dire combien font 3 plus 3? Mais tout le monde sait que ça fait 6. Marie, tu veux bien te lever? Saurais-tu me dire combien font, disons, 135 multiplié par 57? Très bien. 7695. La racine carrée est 87,7. Et des poussières. Sinon, ça veut dire quoi, ad nauseam? Je pense que votre nièce est surdouée. Diane voulait que Marie soit comme les autres. Qu'elle ait une vie normale, une enfance. Il y a une dame qui attend devant notre porte. Cette dame est ta grand-mère. Oh, merde! C'est un MacBook, chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Marie n'a rien de normal, je peux enrichir sa vie. Il manquait le signe moins devant l'exposant. Marie, pourquoi n'as-tu rien dit? Franck dit que je dois pas corriger les grandes personnes. Les gens n'aiment pas les « je sais tout ». Marie! Marie! Tu l'empêches d'exploiter son potentiel. Non! Non! Quelle est ta plus grande peur? C'est de gâcher la vie de Marie. Marie doit rester dans votre école.